Mais le Barça a repris de l'assurance, et notamment grâce à un super milieu de terrain, Gundogan, qui a son niveau de City, De Jong, devant Lewandowski, qui est revenu à niveau. C'est pas le meilleur moment pour le Paris Saint-Germain. C'est excitant. C'est super à jouer cette confrontation, moi, je trouve, contre un grand Barça, plutôt que de dire c'est un petit Barça. Franchement, c'est génial. C'est un joli Barça. La séquence avant le but, elle est longue. Il tient le ballon, il joue bien. Et Gundogan, moi, alors c'est un joueur extraordinaire. Il est injouable si tu ne fais pas du marquage sur lui, parce qu'il se met n'importe où sur le terrain. Et tu ne sais pas où il est. D'un seul coup, il te sort la passe décisive. C'est souvent lui qui est décisif. Moi, je pense qu'il faut peut-être faire un marquage individuel sur lui. Bon. Pour le Paris Saint-Germain. Cette victoire du Barça, ça vous inquiète un peu plus, ou finalement c'est un match, c'est l'histoire d'un match? Si c'est l'histoire d'un match, ça m'inquiète pas. Si c'est l'histoire de la fin de saison, c'est pas tout à fait la même chose. Et sinon, pour revenir aux deux matchs de l'année dont on a cité, ça rappelle qu'on peut regretter qu'en Coupe de France, il n'y a plus de prolongation. Ah, mais de toute façon, nous, on passe notre temps à le dire tous. J'ai pas une personne autour de la table, et alors encore moins moi, qui râle pas. Pour qu'il y ait un match qui reste dans les mémoires, il faut qu'il se passe quelque chose de différent, et ça vient toujours en prolongation. Je vais même aller plus loin, moi je trouve que ça fausse même le résultat de pas avoir de prolongation. Pas de scrupule à le dire, je dénonce, ouais. Et après ce match, le Barça en une des principaux quotidiens sportifs, presse catalane et madrilène confondues. Le Barça dévore un pauvre Atlético en une de Marca. Le Barça continue dans la lutte avec un Lewandowski rageur pour As. Lewandowski qu'on retrouve en une de Sport. Une exhibition pour rêver. Et puis pour terminer, un Barça létal pour Mundo Deportivo. Le Barça a impressionné toute l'Espagne hier. Alors, c'est le Barça qui a gagné ou c'est l'Atlético qui a perdu, qui a béni? Non, c'est le Barça qui a gagné. Alors, Griezmann est entré à la mi-temps, de Memphis Depay aussi. Offensivement, l'Atlético a été très pauvre hier dans ce match-là. Je n'ai pas reconnu, je pense qu'ils ont laissé énormément d'énergie dans l'un des matchs de l'année, avec le fameux Manchester-Liverpool d'hier, le Atlético Madrid-Inter. C'était un match colossal, fabuleux, avec la prolongation, la tension. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup trop d'énergie dans ce match-là. Et hier, physiquement, je les ai trouvés en dessous de tout. Est-ce que Kylian Mbappé est maltraité en France, les amis? Est-ce que les journalistes français traitent mal Kylian Mbappé? On va réagir au propos de Thierry Henry qui estime que Kylian Mbappé n'est pas bien traité en France. Kylian Mbappé n'est pas bien traité chez lui en France, les amis. On va réagir à ses propos. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que Kylian Mbappé, les amis, est-ce que tu penses que les journalistes français le traitent mal? Moi, je pense que non, globalement, non. Il peut y avoir quelques journalistes, quelques youtubeurs qui parlent mal de Kylian Mbappé, mais globalement, moi, je pense que on le met à sa place. On le met à sa place. Lorsqu'il est bon, on dit qu'il est bon. Lorsqu'il est moins bon, on dit qu'il est moins bon. Moi, je ne vois pas là où on a mal parlé de Kylian Mbappé, les amis. Face à Rennes, le match qui sort face à Rennes, le match où Lucien Riquet le fait sortir, c'était contre Rennes et tout. Dans ce match, il n'a pas fait un bon match. C'est pas parce que c'est Kylian Mbappé qu'on doit tout accepter. Lorsqu'il fait un bon match, on l'acclame et tout, mais s'il fait un match moyen ou bien mauvais, on doit se le dire. On doit se le dire. Et c'est la réalité. Face à Rennes, il a fait un match, allez, moyen plus, moyen voire insuffisant. Et s'il fait un match insuffisant, on doit en parler. On doit en parler. Moi, je ne vois pas là où on traite mal Kylian Mbappé. C'est juste qu'on le juge sur ses performances. Il a tellement mis là-bas, très haute même, que lorsqu'il fait un match moyen, beaucoup vont estimer que c'est un match mauvais. Et à juste titre, lorsque tu regardes les stats de quelqu'un, écoutez bien, 38 buts en 37 matchs. 38 buts en 37 matchs, les amis. C'est des stats hors normes. Hors normes. Comment vous voulez donc que ce genre de mec, on soit indulgent avec lui? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il fait un match moyen, on est obligé de voir que c'est un match insuffisant. C'est un match mauvais. Donc, moi, je ne vois pas là où on critique Kylian Mbappé. Moi, je trouve même que c'est un jeu qui est médiatisé. C'est un jeu qui est respecté. C'est un jeu
Il voit le président presque quand il veut et tout. C'est un joueur respecté. C'est un joueur respecté. Il part voir le président presque quand il veut. Donc, moi, je pense qu'il est traité à sa juste valeur. Il est traité à sa juste valeur. Moi, je ne vois pas un journaliste... je ne vois pas le journaliste manquer de respect à Kylian Mbappé. Moi, je ne vois pas ça... depuis que moi, je suis Kylian Mbappé, il a toujours été respecté. Il a toujours été respecté. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, c'est un garçon qui est respecté et à juste titre. Puisque lorsque tu fais des choses incroyables sur le terrain, tu es respecté. Tu es respecté. Lorsque Ronaldinho faisait des choses en homme, on en parlait. Lorsque Messi était à son prime, on en parlait. Lorsque CR7 était à son prime, on en parlait. On en parlait, les gars. Donc, lorsque tu joues bien, lorsque tu marques des buts, lorsque tu fais remporter des matchs à ton équipe, on en parle de toi. Et c'est le cas actuellement de Kylian Mbappé. Lorsqu'il a mis le triplé face à Montpellier. Il a mis le triplé face à Montpellier. On en parlait. On en parlait que c'est un jeu en homme, c'est un jeu stratosphérique. Donc, moi, je pense que il est jugé aussi sur ses performances. Comme tous les joueurs. Comme tous les joueurs. Moi, je pense que lorsqu'il est bien, lorsqu'il est bon, on en parle. Lorsqu'il est moins bon, on en parle aussi. Ce n'est pas parce que c'est Kylian Mbappé que lorsqu'il sera moins bon, on va tout pardonner. Il faut aussi qu'on en parle. Sinon, on ne sera plus objectif. On analyse les performances des joueurs, des matchs en étant objectif, les amis. Ce n'est pas parce que c'est un joueur, c'est un tel... qu'on va perdre en lucidité, qu'on va perdre en objectivité. Donc, moi, je pense que c'est un jeu qui est respecté à sa juste valeur. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre revue, les amis. Ciao, ciao.